PSG Fan TV, bonsoir à tous, bouffée d'oxygène encore une fois sur cette Ligue 1 Conforama. Avant peut-être l'orage. Ouais bah écoute, on verra. Comment avez-vous vu cette rencontre? Est-ce qu'elle vous a plu? Qu'est-ce que t'as découvert aujourd'hui Mo? Non, on n'a pas découvert grand chose. Enfin si quand même. Je pense que j'ai à peu près deviné ce que le coach veut faire contre Naples. C'est-à-dire que je pense qu'il veut numériquement rajouter du monde au milieu. Parce qu'il a compris que Verratti Rabiot au milieu ça allait pas le faire. Notamment du côté de Rabiot. La preuve on l'a pas vu aujourd'hui. Donc à mon avis. Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça, est-ce que c'est un problème de placement? Est-ce que c'est un problème finalement de distribution de ballon? Non, si, bah, déjà, disons qu'un match ça se joue au milieu, tu vois. Et pour moi, Rabiot, ces derniers temps, il a montré qu'il n'avait pas les poumons, on va dire, entre guillemets, pour assumer en Ligue des Champions, en tout cas. Et Draxler, est-ce qu'il les a, ses poumons? Aujourd'hui, il les a eus. Aujourd'hui, il était chaud. Draxler, il a été très bon. Maintenant Draxler, aujourd'hui on a eu 2-6 entre guillemets, tu vois, donc peut-être que comme ça va le faire, mais tout seul Draxler non, je pense 2-6, pas 2-6 accompagné d'un Di Maria, accompagné voilà, d'un Bernat sur le côté, Meunier également, voilà, c'est pas ça. L'oublier, ils n'étaient pas isolés, voilà, donc je pense que ça doit être la solution que Tuchel a trouvé pour essayer qu'il y ait match au milieu contre Naples. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Après, c'est peut-être que je me trompe, hein, parce que le problème, c'est que aujourd'hui, on a eu tellement de compos exclusifs qu'on ne sait pas. Donc, au final, je dis ça, mais ça reste un pari. Donc, on verra. Est-ce que Buffon est prêt pour mardi prochain? Ouais, Buffon, il est prêt, il sera prêt. Je pense que Tuchel, s'il le met aujourd'hui, c'est pour le préparer à Naples. Il veut le remettre dans le bain. Et Buffon, il a plus rien à prouver, on sait qu'il sera, il sera prêt. Il est fait pour ces matchs-là. En plus, c'est à Naples, il connaît très bien l'Italie. Et donc là, on l'a vu aujourd'hui, il parlait beaucoup avec ses défenseurs, avec notamment Verratti. Il était là derrière eux et tout, donc je pense que c'est le bon choix. C'est le moment de mettre tout Buffon titulaire. Je pense que c'est le moment. Ouais. Est-ce que enfin Mbappé va nous sortir cette performance en Ligue des Champions qu'on attend tant? Bah écoute, il sait le faire. Jouer des grands matchs, il l'a montré en équipe de France. Maintenant, voilà, je t'ai dit, le problème c'est que je sais même pas où il sera placé contre Naples. T'espères un retour de Cavani ou pas? Moi oui, clairement. Je pense que ça serait plus rassurant d'avoir Cavani. J'allais dire qu'on va pas gagner sans lui, non. Mais je pense que ce serait plus rassurant d'avoir Cavani, vraiment. D'accord. Enfin, pour finir, un pronostic. 3-1. Pour voilà. Paris, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Donc 1-3. Donc, quand tu me parles. 2-0, doublé d'Mbappé. Voilà. À suivre.